amis, alors bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. J'espère que vous allez bien cette belle journée, que tout va bien. Merci pour les pouces bleus, les likes, les partages et les abonnements. Merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Comme d'habitude, vous êtes des anges pour moi. Alors, est-ce que je suis en super forme? Je suis en très grande forme, voyez-vous, parce que nous allons parler d'un certain Antoine. Ben oui, l'armand, le rigolo du kéké du coco, voyez-vous. Alors, ce brave garçon qui est, bien sûr, à la tête des flouzes, des flouzes, du blé, de tout ce que vous voulez, à la place de la mémère. Eh bien, figurez-vous que ce garçon est un chiffre 3. Et puis là, il a commis des bourdes, hein, on le sait déjà, voyez-vous. C'est un chiffre 3. Alors, les chiffres 3, quand ils sont à la place des sinistres roses, ils prennent le poste pour se la péter, voyez-vous. Bien évidemment, on va se la péter avec une belle voiture. Mais à côté de ça, il est en année numéro 9. Blocage. D'accord, il est rentré parce qu'il est du mois de septembre. C'est une petite vierge encore, voilà. On va lui pouponner le popotin encore une fois. Et ça me dit clairement, si vous voulez, qu'il est dans une année très compliquée pour lui. Bravo. Alors, dans un premier temps, on va faire, avant qu'on attaque le tirage, hein, sur le phénomène du kéké rose, le kéké du coco, on va regarder quelque chose tout de suite. Ben, on va se faire avec l'oracle Bénin une petite guidance rapide, hein, comme j'aime les faire, pour vous guider pour la journée. Je pense que ça peut être utile pour vous. Alors, j'ai mis en parallèle une autre vidéo sur la chaîne Chris Sinclair Media, mais aussi dans la communauté, sur les dragons, parce que vous m'avez posé la question de faire un tirage sur les dragons. Alors, je me suis, comment vous dirais-je, je me suis exécutée pour vous, voyez-vous, dans un état de dragonne ou de dragon. Allons-y, Clément. Alors, concernant le message du jour avec le Béline avant d'attaquer le rigolo du kéké coco. Bon, ben écoutez, on vous le dit clairement, les amis, hein, surtout faites très attention, ne partez pas dans des discussions âpres avec Pierre-Paul ou Jacques, hein, d'accord, vous laissez faire les choses, parce que là, si vous partez en cacahuète, ce sera stérile au bout, et on me parle surtout vis-à-vis des familles. Ben écoutez, on a des familles, des fois, où on en collerait bien une bonne droite, d'accord. Et là, on me dit clairement, mettez de la paix et restez tranquille, parce que vous avez, je sais pas pourquoi ça me dit ça, apparemment, il y a certains d'entre vous qui devraient recevoir la visite d'un frère, d'une sœur, d'un cousin, d'une cousine, que vous aurez envie de souffler rapidement, d'accord? Donc, allons voir maintenant l'avenir du kéké rose ou du kéké du coco, d'accord? L'armand, le rigolo, hein? Voilà, donc oui, en fait, il est en année numéro 9 depuis le mois de septembre, c'est le 10 septembre, je crois, sa date anniversaire, donc on va aller voir ensemble, qu'est-ce qui va se passer. Bon, ben, ça soufflette en ce moment, alors il y en a une, la Marine, elle boit du petit lait, là, pétard, et l'autre et les autres, ils ne savent même plus. Alors, j'ai vu qu'il était très pote, très poteau, cette chose, cette nouvelle chose, ce petit croquant, voyez-vous, ce petit nougat, voilà. Je dirais avec l'UL.1, bien sûr, d'accord. Et il voulait, bah écoutez, maintenant tu vas retourner manger ta barbe à papa, ou ce que tu voudras, voyez-vous, voilà. Ah là là, les gens se révèlent, hein, je vous l'ai dit, hein, les amis, les gens se révèlent. Moi, j'ai plein de choses actuellement où je peux vous annoncer que les gens... Attendez, je pousse un tout petit peu ma caméra. Les gens se révèlent actuellement. Alors, concernant le kéké rose, l'armand qui se prénomme Antoine, voyons cette chose, son avenir en ardent, il me rappelle un peu le véreux, voyez-vous, dans le style, les bourdes derrière les autres. Alors, vous ne tracassez pas concernant le truc du coco, là, qu'on a eu, la potion du coco, voyez-vous, voilà, les noix de coco. On va les appeler une noix de coco. D'accord, tout sort hein, en ce moment. Voilà, donc moi, je ne m'affole pas. Bien sûr, ils n'en parlent pas au niveau des plateaux bobos, hein, comme d'habitude. Alors, dites-moi les choses croustillantes concernant cette petite chose. Voyez-vous, alors, ils ne répondaient pas aux journalistes, voyez-vous. Ils sentaient tellement mal, en fait, voilà. Donc, on va aller voir dans les coulisses qu'est-ce qui s'est passé.
parce qu'on a appris que Barnier, suite à un coup, Barnier, le Barnier, enfin, a pris une colère, il a téléphoné à la marine, ou la marine lui a téléphoné, donc il a rabaissé son caquet au caquet rose, là, au caquet de coco. Voilà, alors dites-moi concernant cette nouvelle chose, décidément. Ah, puis l'autre aussi, il est parti au monde des érables, il est allé voir son trou qui n'a plus d'eau, il est allé, oui, on a un petit déjeuner ou un petit dîner d'affaires, voyez-vous, il n'y aura aucun, il n'y aura pas de témoin. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il se passe? Alors donc, ils boivent du sirop d'érable peut-être? Non, ils ne boiront pas du sirop d'érable, ils feront, voilà, très bien, un livre scolaire. Vous savez qu'il y a un livre scolaire en ce moment qui est décrié, hein. Franchement, on arrive à des trucs. Moi, je ne sais pas où on est. Qu'est-ce qui se passe voilà. Voilà. Et puis, c'est comme le joli. Il veut nous refaire le coup des J.O. Il veut gagner des thunes, bien évidemment, sur notre dos. Ah, il faudrait refaire quelque chose de festif pour les franchouillards. Mais on n'a pas besoin de toi, les franchouillards. Tout ce qu'on veut, c'est que tu te casses. Voilà, excusez-moi, je me lâche. Je me lâche, j'ai envie de me lâcher. Voilà, ouais, écoutez. Alors, le kéké coco, c'est long à la détente, tu arrives? Voilà. Donc, on va voir un petit peu où en est cette chose. Mais année numéro 9, en général, quoi que vous fassiez en année numéro 9, ça tombe pas. Ça ne va pas. Ah oui, si vous êtes en année numéro 2, ou en année numéro 9, enfin dans votre année, quoi. Ne vous mariez pas, ne prenez pas un nouveau contrat, ne vous installez pas à votre compte en année numéro 2 ou en année numéro 9. Rien ne va plus pour la chose, l'Antoine au niveau de sa sinistrose et dans tous ses états, bien évidemment. Il est comme un gamin qu'on lui a tapé sur les doigts, si vous voulez, il se sent pris au piège. Bah écoutez, pourquoi pas. Ensuite ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, discussion au sein des sinistroses par rapport à lui, hein, bien évidemment, au niveau de son service, je pense que maintenant il va raser les murs, il va raser les placards et les placards à balai, bien évidemment. Il va quand même tenter de nous faire une annonce parce qu'il a été mis là pour ça, concernant les propri.yeti, vous savez, concernant la peste aux étoiles. Alors lui, je sens qu'il va être vite apprécié. Voyez-vous ce que je veux dire? Il va être véritablement vite apprécié. On en aura marre de cette chose. Donc, on parle de la force, si vous voulez. On va lui dire, il va ici. Oh ben là, alors là, on ne me parle pas de frappadingue. On me parle de folasse. Donc, nous avons affaire à une folasse qui va vouloir écrire quelque chose en nous l'imposant, si vous voulez. Bienvenue au club, chérie. Parce que là... on va vite se rendre compte qu'il va faire le manche à balai, là, hein, carrément à l'envers. Hein. D'accord? La faux, point las. Oh là 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 là! Ici, qu'est-ce que nous avons? Donc ici, changement radical en ce qui le concerne, fin de cycle. Donc pour moi, ce type, ou cette chose, l'Antoinette, ne fera pas long feu au niveau des serpillères, d'accord? Parce qu'on va dire clairement, voilà, on va découvrir des choses qui vont sortir sur lui, mais je pense que au niveau de Marine, ils vont sortir des éléments et dire au Michou Michel, si vous voulez, fais gaffe avec ça. Alors, Bricaton, aucune communication avec cette chose de la part de Bricaton, d'accord? Il s'est rendu compte que c'était une flèche, hein? D'accord, c'est vraiment une flèche, au niveau des sinistroses des pépettes du flouze. On se pose la question, qu'est-ce qu'il a à faire là? Ben, c'est pas son domaine du tout de compétence. En fait, de domaine de compétence, il n'en a pas. D'accord, il faut bien vous mettre ça dans la tête. Cette chose n'a pas de domaine de compétence, c'est un chiffre 3. Au niveau des sinistroses, il est là uniquement pour faire le mannequin. Voilà, le rigolo. Voilà, là, on a le rigolo du coco du kéké. Non, du kéké du coco. Voilà. Donc, écoutez, il a le coco encombré, lui. Hein. Ça, c'est clair.
Donc, il est bien manipulé, alors celui-ci par l'Ursulette, hein, je vous le dis, d'accord, qui est à la manœuvre derrière pour lui dire de faire ça. Il est là pour dire et faire certaines choses. En fait, il n'aime pas les gens, hein, celui-là non plus, il s'en fout des franchouillards complètement. Il est là pour récolter son blé, son flouze, d'accord, mais quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, c'est bon, il est déjà rentré dans les annales de celui qui ne devrait pas parler. Il va être mis, vous savez, dans les grandes entreprises, on met les gens au placard, mais lui, carrément, on va le mettre, comment dirais-je, dans une citerne d'eau. Voilà, sitôt qu'elle va se remplir, ben voilà, glou glou. Alors, ici, quoi qu'il dise, ça n'ira pas, hein, de toute façon, dans les associations, au niveau de ce gouvernement, pour moi, il ne va pas faire long feu. Comme je vous l'ai dit, il est dans une année de blocage, il est rentré en année du blocage, donc pour moi, voilà, d'accord? Pour moi, ils vont s'en servir, même les journalistes, j'ai vu qu'ils ont commencé à rigoler sur lui, si vous voulez. Voilà, c'est Gaston Lagaffe. Donc, au niveau de la peste aux étoiles, puisqu'il a été mis en place par la peste aux étoiles, hein, d'accord? On est bien clair sur le sujet. Clairement, il y aura une action, écoutez. Les amours entre les deux n'ira pas, mais je suis bien cap il est bien capable de nous annoncer quoi, vous savez, qu'ils vont faire des restrictions budgétaires ou ce que vous voulez, mais à l'arrivée, vous savez ce qu'il va nous annoncer? Oui, mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute de la peste aux étoiles, vous voyez, il va se vendre tout seul cette chose. Mais en tout cas, ce que je peux remarquer, c'est que le kéké, le bricaton, mais évidemment, il ne se le farcit pas, hein. Pas du tout, c'est pas son style. D'accord, remarquez, voilà. Donc ici, projet. On va lui dire d'aller voir un psychanalyste à cette chose. Voilà, en maintenant ce blocage. D'accord, dans la communication, on vous annoncera son blocage et qu'on va lui demander de rentrer se coucher parce qu'il n'est pas capable de maîtriser sa communication. Il est toujours dans son côté gauche.oo bobo des plateaux, si vous voulez. Et donc, automatiquement, il va à l'envers de ce qu'il faudrait faire. Alors, sa vie, pour l'instant, bon, familiale, ah ben apparemment, rien ne va plus au sein de ses amours. D'accord, je le vois, comment vous dirais-je? Sa chose qui partage sa vie, ben, elle est allée voir d'autres choses au pluriel, oui, elle est allée s'encanailler avec Briquette, d'accord, et ici ça me dit clairement, ben, voilà, c'est bien les canaillous, hein, veut dire canaillou, 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 les. Donc pour moi, tout le monde est parti, voilà, j'étais devant, j'étais derrière, vous rappelez cette chanson, voilà. Donc, il était tout seul à l'enterrement, mais là, elle sera pas tout seule, enfin, la cocotte, hein, ça, très bien. Elle est allée voir pour soigner son popotin. Voilà. Oh, Briquette! Voilà. Ici, nous avons rupture, pas à nouveau. En fait, il y a plein de gens qui ne veulent plus le voir. Donc, c'est fini. Même au niveau de sa famille, il va passer pour un gloufi. D'accord? Ben, un de plus, ça. Donc, au niveau de sa famille, il va passer pour un gloufi. Au niveau des sous-sous, voilà, il va continuer à toucher ses thunes, d'accord? Il veut, c'est une place pour avoir une place, pour dire je fais carrière, voyez-vous, et de se la péter, de profiter bien sûr des bonnes largesses, de nos gentillesses, puisque c'est nous à l'arrivée qui manquons, bien évidemment, d'accord? Voilà. Non, mais de toute façon, je pense qu'ils vont le mettre ailleurs. Ah, vous avez vu le séjourné, donc il est parti à la peste aux étoiles, vous savez, l'ancienne sinistrose, la petite copine de Gabi, voilà, de l'ancienne première sinistrose. Et le Gabi a fait ça, ça prouve bien que j'avais raison depuis le départ, que Bricaton s'était farci le séjour qui n'a plus de néné. Voilà. Donc, ici nous avons. Il y a quelque chose de nouveau pour lui, mais là on me dit c'est fini pour la sinistrose du blé du flouze. Hein. Ça me le dit clairement, il y a un pet au casse, il y a quelque chose, et puis ça me dit clairement, ça va sentir mauvais dans les toilettes de cette sinistrose. Pour moi, il aura un problème digestif ou gastrique, voyez-vous. Chaque fois qu'il s'avancera, ça sentira. Pas la rose. Faut bien qu'on se lâche un peu, hein.
Alors lui, il va avoir un côté inaction, donc c'est bien une marionnette qu'on a installée là, bien évidemment. Pas de réussite en ce qui le concerne. Il, mon Dieu, il va faire le boulet, il va nous faire la montgolfière, voyez-vous. Alors le ballon qui s'envole, et un petit coup d'aiguille, et boum, badaboum. Et bien c'est là, d'accord. Donc si vous voulez, bon, il vaut rien, il est rien. Voilà, il sera rien, il sert à rien. Franchement, je suis pas tendre, hein, d'accord les amis. Donc, au niveau de ces accords, ça me dit clairement prise de ses décisions. Alors, les franchouillards, ça passera plus du tout avec lui. Puis, je pense qu'il faudra mieux qu'il reste dans son bureau ou dans le placard dévié pour se planquer. Parce que, de toute façon, c'est quelqu'un qui est... Enfin, qui, moi, d'entrée de jeu, il a une, il a des actions. Et puis, alors, maltraiter une partie de la populace, ça marche pas avec moi, hein. Enfin, moi, je sais que vous êtes d'accord avec moi sur le sujet, d'accord? Changement radical, le soleil, alors pourquoi? Alors, donc, je vois un changement radical pour lui, un changement, on va lui fournir une autre place. Ah! On va lui refourguer une autre place, voyez-vous? Oh, le pauvre petit, il ne faut surtout pas, oui, un nouveau projet qu'on ne sait pas encore, mais à mon avis, on va lui trouver un autre endroit pour aller chanter la chansonnette, d'accord? Je pense que là, alors là, on est parti véritablement dans autre chose, les amis, hein, véritablement. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Rééquilibrage, donc au niveau de cette sinistrose, il y aura quelqu'un d'autre. Il y aura une action, hein, enfin, aucune action par rapport à cet équilibrage, mais pour moi, il y a une autre action, parce que la populace, dont les franchouillards, nous allons carrément le faire savoir, et les réseaux, vous savez, ils voulaient nous maillotcher, nous mettre une serpillière au niveau de la boubouche, d'accord, pour qu'on ne parle plus, ben ça ne marchera pas. Vous avez vu, j'avais raison pour la Bretagne, elle n'est pas revenue. Hein. D'accord, elle avait peur, qui avait peur, mais elle n'est pas revenue. Ben non. Alors, fin de contrat le concernant, puisque c'est de lui, d'accord, on lui dira, non, on ne veut pas de toi. Ah, ils vont tenter de le fourguer aussi à la peste aux étoiles. D'accord, sans communication, bien évidemment. Ils vont lui trouver un placard, ils vont, ben, bien sûr, de nos royalties, il sera payé 10 à 15 000 boules, d'accord, tous les mois. Voilà, pendant que nous, enfin franchement, projet qui n'aboutit pas. Alors lui, au niveau familial, ça coupe, son couple, ou voilà, rien ne va plus, d'accord. Tout le monde pense que c'est un raté, un benet, oh, je suis pas tendre avec l'individu. Et clairement, même sa famille risque, il doit avoir quelqu'un, un ami proche ou un frère, quelqu'un qui va avoir honte de lui, d'accord. Donc ça, c'est une des premières choses. On va aller voir avec... tiens, on va aller voir avec le bénin, puisqu'on l'a ici, on va en profiter, les amis. Et on va regarder, bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette sinistrose. Pas lui, hein, mais le nouveau qui arriverait donc, au sein de cette sinistre bureau du blé du flouze. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver au nouveau de ça? Mais quelque chose, alors déjà c'est la fin pour lui, hein, d'accord. C'est la fin pour lui, c'est la fin des points, hein, je vous le montre ici. Il y aura la grâce, donc on aura peut-être quelqu'un qui sera fait. Pourquoi ils ne mettent pas le gars qui était, qui est à la juste pointiste? Vous savez, je l'aime pas ce bonhomme, mais puisque c'est son domaine, pourquoi on ne le met pas là au lieu de... Voilà, et une lumière sous retard me dit, alors sous retard, ça veut dire quelques temps, semaine, voilà, on devra mettre quelqu'un d'autre, de semaine ou mois, hein, voilà, donc ça mettra quelqu'un d'autre. Donc, je vais reprendre le 32. Alors, dites-moi avec le 32, est-ce que cette sinistrose, donc là, le certain Antoine, voyez-vous, ah, puis il a l'air d'une cruche, la cruche de chez Cruche, quoi. Franchement, mettez-moi-y, vous allez voir, je vais faire du rabot, moi. Je sais où je vais faire du rabot, hein. Les touristes du Sud! Voilà. Il y en a marre! Parce qu'il y a des petits retraités qui n'ont même pas ce que on. Franchement.
Alors, est-ce qu'il va partir cette chose nouvelle, blocage pour lui, hein? D'accord, ça devient nouvelle. Changement sous retard, donc c'est ça, hein, semaine, mois. Mais sous, il va dégager parce qu'il va refaire encore un esclandre. Parce qu'il ne mesure pas sa parole, le voyez-vous. Ah, ça me dit carrément. Ah ben, il met des talons la nuit, hein. Je vous le dis carrément, parce que vous avez le droit de le savoir. Beaucoup de doutes par rapport à lui, parce qu'il y a un problème. Nous voyons, écoutez, drag queen la nuit, hein. D'accord, voilà. Bah, écoutez, on l'a déjà, hein. Est-ce que nous aurons d'ici un an, on pose la question, pour être large d'esprit, une autre sinistrose du blé du flouze? Voilà, dites-moi, est-ce que nous aurons une autre sinistrose du blé du flouze? Alors, quelque chose qui travaille, ah ben, quelqu'un qui travaillera dans la difficulté. D'accord, oui, il y aura une autre sinistrose, hein, d'accord, les amis. Donc, on ne s'affole pas. Voilà, hop, voilà. Mais lui, à la fin, de toute façon, au niveau des finances, il y aura quelqu'un de nouveau, mais il y a une issue favorable. Donc, apparemment, on ne pouvait pas plus, enfin, on ne pouvait pas, avec cet individu, faire pire que ça. J'ai une question à poser, les amis qui me tarotent. Vous savez, par rapport d'abord aussi rendre hommage à la petite Philippine, mais ça serait les Lola, les Claire, les Thomas, vous voyez, tous ces gens qui ont été... alors, on appelle ça des faits divers, voyez-vous, parce que la Sandrine, la Roussette, elle a dit ça. Oui, mais ça va être le R qui n'a plus de haine, la Marine qui va débarquer, qui va tout prendre. Ben oui, mais elle n'a pas besoin de faire grand-chose, hein, je veux dire, les faits sont quand même là, hein. Donc... Alors, est-ce qu'il y a des décisions au niveau légal? Parce que j'ai vu que le bar qui n'a plus de lignée, donc la première sinistrose, avait réuni le retable qui n'a plus de yo-yo et la chose qui est à la juste pointisse. Alors, est-ce qu'on va arriver à des accords pour les faire repartir ces choses-là? Qui ne veut rien? Questionnement? On va être déçu. Encore une fois, ça va être du pipeau, ça va être du blabla, ça va être de ce que vous voulez. Mais encore une fois, c'est du pipeau jusqu'à un moment donné où les gens prendront des pampoints, d'accord, et résoudront par eux-mêmes, les familles, les problèmes, d'accord, voilà. Il n'y a que chez nous que c'est comme ça, hein. Partout dans le monde, c'est pas comme ça. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous tendres et on se retrouve demain pour d'autres aventures. Bye bye.